Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vous ai fait un peu attendre, malheureusement, beaucoup de contretemps. Et donc du coup, je reviens, vous savez que je reviens toujours parler de choses qui sont des coups de cœur pour moi. Et donc je reviens avec un unboxing, donc il n'y aura pas de gameplay de jeu vidéo. Donc c'est un unboxing sur la série des NASCAR Heat. Là, plus précisément, NASCAR Heat 2 et en fin de vidéo NASCAR Heat 3. Vous voyez à côté, il y a un autre boîtier qui est caché derrière, c'est le NASCAR 08 sur Xbox 360, histoire de vous montrer que cette discipline finalement à la fois existait en jeu vidéo et puis existait sur les anciennes consoles. Voilà, donc le NASCAR c'est quoi? C'est une discipline donc automobile américaine. Exclusivement américaine. Donc, il y a eu des adaptations en jeux vidéo de cette discipline de course, et c'était principalement il y a eu des jeux qui étaient licenciés et sortis en France, mais il y en a pas eu beaucoup. Et depuis plusieurs années maintenant, la plupart des jeux, ils sortent principalement aux États-Unis en version physique, donc en boîte. Mais pas du tout en France. Donc voilà, si vous vouliez une version boîte, donc une version physique de l'un de ces jeux-là, il vous faut passer par des sites d'enchères, etc., qui vous proposent de commander via l'importation. Voilà, donc du coup, par exemple, moi, mon NASCAR Heat 2, je l'ai trouvé dans les 10$. Et puis, bon, faut compter, c'est 8€, 10€ à peu près, et puis il faut compter 20€ de plus pour les frais de port, donc on en vient à quasiment 30€ avec les frais de port, voilà, bon, après il est neuf, c'est pour ça que je me suis dit que ça valait quand même le coup, parce qu'il est neuf, je vais le déballer devant vous, d'ailleurs, et parce que d'occasion, on peut en trouver au même prix, on peut même trouver d'occasion... On peut le trouver beaucoup plus cher que ça, qu'il soit en bon état, en très bon état, ou même avec beaucoup de défauts, des rayures, etc., des cassures sur le boîtier, on peut le trouver à des prix faramineux. Le NASCAR Heat 2 n'est absolument impossible à trouver en dématérialisé. Et de plus en plus, les jeux, c'est comme ça, c'est que certains sont abandonnés, finalement, parce que comme il y a eu des suites... Hein, c'est un peu comme les jeux de tennis, les jeux de football, etc., machin. Alors à savoir, hein, à la différence de certains jeux de sport maintenant et même d'autres styles de jeux, hein, ça peut être, je peux revenir sur le fameux The Crew de chez Ubisoft ou même le dernier Top Spin qui a parlé de lui là pendant des jours et des jours. À savoir que NASCAR Heat 2, le 3 aussi je crois, ils sont jouables hors connexion internet. Hein, j'ai essayé, je me suis déconnecté de mon réseau internet, qui fait du coup j'avais plus du tout la possibilité de voir mes contacts Xbox, j'avais plus la possibilité d'aller sur internet, etc. La console était totalement 100% déconnectée d'internet, et NASCAR Heat 2 est 100% jouable hors connexion internet. C'est important de le savoir, c'est important de le souligner, surtout au jour d'aujourd'hui. Je trouve ça inadmissible qu'on ne puisse pas jouer hors connexion, et aussi qu'un solo de jeu, on doit pouvoir y jouer hors connexion. Mais bon, ça encore, c'est un autre débat. Donc du coup, c'est édité par 704 Games et développé donc par Monster Games. Monster Games qui s'occupe des NASCAR Heat depuis 2000, le tout premier opus historiquement, c'était en 2000 sur la première PlayStation. Sur les générations Xbox One, Xbox Series et donc PS4, PS5, le premier par contre NASCAR de ces générations-là est donc sorti... NASCAR Evolution qui est donc sorti en 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement. NASCAR Heat 2, quant à lui, est sorti en 2017. NASCAR Heat 3, que vous verrez tout à l'heure en fin de vidéo, est sorti en 2020, si je ne dis pas de bêtises, 2019 ou 2020.
Il présente sa saison de 2019, mais je crois qu'il est sorti en 2020. Chose à dire aussi, c'est que là, ce que j'avais entre les mains, c'est donc un ticket de réduction, un coupon de réduction de $50 qui permet donc de participer, de se vous fait un coupon de réduction sur une entrée pour aller, bah, pour être spectateur d'une course de NASCAR aux États-Unis. Voilà, tout simplement. Il y avait d'ailleurs écrit dessus sur le ticket les villes où le coupon de réduction était compatible. Hein, voilà. Donc c'est assez rigolo, je trouve. Hein, on voit dans le en haut à droite d'ailleurs le $50 qui est bien stipulé. Voilà, voilà. Et donc ça, ils ont fait ça sur le NASCAR Heat 3 également. Après, je sais plus s'ils l'ont fait sur les autres. Bon, c'est un détail, mais en même temps, c'est marrant. C'est marrant parce que quand t'es américain et puis que t'as l'habitude d'aller voir ou pas du tout même, mais t'as la possibilité en vivant là-bas d'aller voir des courses, bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, j'achèterai un jeu de Formule 1 là et on me dirait, tiens, tu peux aller voir le Grand Prix de Formule 1 en France et tout. T'as une belle réduction qui te permet d'avoir soit une belle réduction, soit une place gratuite. Bon, en même temps, c'est très cher, donc... je serais content d'avoir une petite réduction, voilà. Donc du coup, c'est des jeux qui sont pas forcément 100% réalistes, mais en même temps, ça se joue quand même assez bien. C'est un peu à la fois mi-simu, mi-arcade. C'est vraiment sympa. Il a un sacré coup de vieux quand même, le NASCAR Heat 2. Je veux dire, hein, on a des jeux de course aujourd'hui qui sont assez jolis, assez beaux. Donc, les voitures sont bien faites. Hein. Par contre, après, au niveau des décors, c'est assez aliasé. D'ailleurs, NASCAR Heat 3 corrige en proposant moins d'aliasing que le 2 et plus de contenu. Maintenant, il y a des choses peut-être un peu... Il y a peut-être... des choses qu'on avait dans le 2 qu'on n'a pas dans le 3. Et donc après, si vous connaissez le NASCAR Heat 2, je vois pas forcément d'intérêt de connaître le NASCAR Heat 3. Moi, c'est surtout par collection et par passion de la discipline, parce que je me considère pas non plus comme un fan ou comme un vrai passionné, mais disons que j'adore le NASCAR. Donc je sais pas trop comment m'expliquer là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un coup de cœur pour moi. Et avec cette vidéo, j'aimerais savoir si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus de jeux vidéo NASCAR. Alors vous, voilà, parce que je comptais montrer plus tard un peu de gameplay dans l'année. Donc je pense que je le ferai de toute façon, montrer au moins une course, les menus du jeu, tout ça. Et est-ce que vous, ça vous tente de jouer à ça? Est-ce que ça vous intéresse aussi que je puisse en parler? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les jeux, si vous connaissez la discipline, si vous avez déjà joué aussi à l'un de ces jeux-là, que ce soit ancien ou récent, peu importe. C'est un peu un appel que je vous fais, donc n'hésitez pas à me dire. Merci à tous les amis. Allez, ciao tout le monde.